Hello tout le monde, c'est MLDG, bienvenue dans un nouvel épisode d'Hyrule Warriors. Et dans cet épisode, nous allons faire le monde du crépuscule. Voilà, le palais du crépuscule, pardon, avec Lana. Et avec Lana, nous allons pouvoir récupérer donc. Oh, sympa ça. Élément foudre. Non, mais celui-là est plus puissant. Quoique, on peut peut-être récupérer l'élément foudre. Non, je l'ai déjà. Bon, c'est pas grave, on va rester ça comme ça. Et dans cet épisode-là, nous allons récupérer le réceptacle de cœur. Voilà, tout simplement. Donc on va rusher, oui, mais on va quand même essayer de faire le plus de choses possible, quand même. Donc ça risque d'être un épisode assez long, encore une fois. On verra ce que ça sera. Commencez. Ah là là. Revoir ces décors, ça me donne vraiment envie de rejouer à Twilight Princess. Vraiment. Ok, c'est parti, mon ami. On commence déjà avec une vague de monstres par là. Tac, allez, on recule les monstres. Voilà, merci. Tac, tac, et on recule. Ah, ça attaque par derrière, d'accord, c'est des lâches. Je vois bien. Il y a des lâches de partout, de toute façon. Ah, il y en a de plus en plus. Ça ne s'arrête pas. Ok. Bon, d'abord, on a un chef de poste qu'on va se faire. Bonjour. Tac, tac, tac. On a déjà rempli la première jauge, d'ailleurs, si on veut commencer à attaquer comme des bourrins. Le matos, s'il te plaît. Je vais garder le grappin avec moi. Voilà. Boum. On va faire mal direct. L'entrée de l'aile est. Alors, on réduit de moitié la jauge, quoi. Va bien. Tac. Allez, électrocute-toi. Boum. Les portes s'ouvrent et on les écrase. Toi, tu vas mourir. Vas-y, tu vas mourir, toi. Tu vas mourir, je t'aime pas. Mourir, j'ai dit. Tac, boum. Donc déjà, on a le boss qui est apparu. Voilà, tu as baissé ta garde, donc t'es mort. Bonne chose. Et le boss du fort, on va se le faire rapidement. Tac, 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 tac. Enfin, c'est vrai qu'il y a encore des... il y a encore ça, là. Voilà. Tout ça, c'est fait. Et on va récupérer le contenu du coffre qu'on avait déjà récupéré il y a un petit moment avec Midona, d'ailleurs. Et dans ce contenu, enfin dans ce coffre, il y a une nouvelle arme. Voilà, mais vu qu'on a déjà récupéré la nouvelle arme, on récupère un sac d'armes. Et au final, on aura la même arme. Ok, j'ai envie d'éternuer, donc peut-être qu'il y aura du montage si j'éternue. Mais là, ça a l'air de se calmer. Ok, c'est très désagréable quand vous jouez que vous avez envie d'éternuer, ça je vous rassure. Tac, allez les portes, on va reculer. Allez, ça dégage, s'il vous plaît. Ah là, ils ont pété les ponts. Tout va bien, on a déjà le grappin donc on n'a pas à s'en faire. Ah mais je croyais que vous avoir tué vous là. Allez, reculez. Voilà, je vais tous vous prendre en même temps. Et boum. Toi ici t'es bientôt mort d'ailleurs. Voilà, t'es mort. Parfait. C'est ce que je voulais voir. On récupère tout ça. Ah oh, mais il y en a de plus en plus. Clac, on recule. 3, 4, et là on se met sur un joli cube. Et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Voilà. Toi, c'est pas du tout ça que je voulais faire, mais c'est pas grave, il va se le prendre quand même dans la tête. Clac. C'est bien ça. Super grappin. Oh, il y a encore beaucoup de monde. Les portes s'ouvrent, et tu vas reculer avec. Et voilà, il est mort. Le chef de poste aussi va mourir. Merci. Ah, c'est vrai que Lana est quand même vachement puissante. Faut pas déconner. On va passer là-haut. On va prendre le contrôle de ce fort. Oh, il y a encore beaucoup de monde là. En plus, il y a un monstre que j'aime pas. J'espère que je vais lui faire beaucoup de mal. Ouais, je lui ai fait beaucoup de mal quand même, mais pas suffisamment. Tac, 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 tac. Je vais peut-être le tuer comme ça. Ouais, il est mort. Super. Donne-moi ton matos. Allez, dépêche-toi de mourir et donne-moi ton matos. J'ai récupéré les méga bombes. Donc, on va se faire plaisir. Voilà. Ici, c'est surtout là. Boum. Boum. Oh, et niveau 21. Boum. Boum. Allez, le boss du fort. Apparaît. Tu vas mourir. Voilà, c'est bon, tu es mort. On va reprendre avec soi le grappin. Ok.
Du coup, on va repasser par ici pour ressortir. Clac, on ramène des portes. On recule tout ça, du matos. Ah, un petit coffre. Normalement, dans ce coffre, il y a le grappin. Hein. Et vu qu'on a déjà récupéré le grappin, on va récupérer des rubis. Allez. Super. Non, non, on va récupérer un objet. Une arme. Il y a du monde devant. On recule, s'il vous plaît. Voilà. Du coup, on s'en va de là. Maintenant qu'on a récupéré un objet, malgré qu'on avait déjà le grappin, on peut sortir. Oui, si tu veux, tu ne laisseras personne faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème avec ça. Et voici un gros méchant pas beau. Et lui qui nous a bien cassé la tête la dernière fois. Surtout avec sa queue bleue. Mais ça devrait le faire, ça devrait le faire. Hop, on se dirige là. Ici, voilà. Oh, il y a du monde par ici. Ah ouais, mais ils se dirigent tous par là-bas les mecs. Venez par là. Je prends tous les dents en même temps. Voilà. Ça fait du bien. Par là où ça passe. J'en ai tué un d'ailleurs au passage. Et j'en ai tué un deuxième. Clac, et les portes ça dégage. Voilà. Oh, ça fait tellement plaisir ça. On a bien récupéré le matos de l'autre que j'ai tué. Ah, ils sont en bas le matos. Oui, si tu veux, j'ai vu qu'il crachait sur ma base. J'arrive de toute façon. Hein. Pas de panique à se faire là-dessus. Il y en a un qui est en difficulté. On va lui apporter du soutien. Voilà, PV régénéré. On récupère ça. On va récupérer ça. Oh, non, c'est pas du tout ça que je voulais faire, mais bon. C'est pas grave. On remonte. On va passer par ici. Ah, y a encore beaucoup de tac, tac, pam. C'est plutôt par là-haut qu'il faut aller. Donc le matos que j'ai laissé derrière, j'irai le récupérer après. Hein. Super grappin. Ouais. Oh la vache. C'était puissant ça. C'est la première fois que je le vois d'ailleurs. Et c'était bien puissant. Les portes s'ouvrent. Voilà. Boum. Il y a du monde par ici, il y a du monde. On fait un petit brin de ménage. Ouest du palais, ça va prendre une décalotée. Voilà, il y a presque le boss qui va apparaître, quoi. Tellement qu'il a pris une décalotée, le truc. Bien. Allez, tu vas mourir. Descends de là. Ah, il est mort, c'est bon. Tu es mort, donne-moi ton matos. Voilà. Et il va y avoir le boss du fort qui va apparaître devant mes yeux ébahis. Super. Tac, tac. Meurs, meurs, meurs. Voilà, et nous avons un coffre qui apparaît au milieu de cette salle. Et dans ce coffre, nous allons récupérer. Attention les yeux. De toute façon, un coffre rouge et doré. Le réceptacle de cœur qu'on cherchait justement pour terminer ce chapitre. Parfait, alors maintenant on va suivre totalement l'histoire. Donc rendez-vous là où il faut aller. Rendez-vous par là-bas. Il y a du monde, on esquive pour l'instant. Lui aussi on va l'esquiver. Je ne veux pas me prendre la tête avec toi mon ami. Voilà, c'est ici qu'il faut aller. Ok. On va prendre cette base là. Tac. Allez, on fait le ménage. Boum. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis là. Oh, les bombes. Voilà. On récupère les rubis. Ah là là, il y a de l'ennemi. Tac. Voilà. Allez, faudrait peut-être que le boss apparaisse là, ce serait bien. Par contre, j'aime pas du tout l'angle de la caméra, mais c'est pas grave. Est-ce que les bombes ça peut le tuer comme ça? Ah ouais. Allez. Voilà, c'est bon, il est mort. On a pris la place. Du coup, je vais devoir activer le cercle magique. Ah, franchement, tu m'impressionnes. Bah, bien sûr, t'inquiète. Allez, en difficulté, je sais pas où il est. Du coup, bah, on va redescendre par là-bas. Parce que j'arrive pas à activer le cercle magique. Je vois que là-bas, c'est on m'appelle. Ah, faut peut-être que j'aille à la base pour activer le cercle magique. C'est possible. Cet endroit n'a pas été pris, mais c'est pas grave. Mais il y a du monde là. Oh là là. Allez, on fait le ménage. Voilà. Boum. Toi tu vas mourir par contre. Je veux pas que t'ailles plus loin. Voilà. Parce que toi tu fais suffisamment mal comme ça.
Et direction par là-bas, on va vers la base. Parce que je vois que je suis appelé à la base. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe à la base? Voilà. Ah, super, c'est une bombe qui me tombe sur la gueule. Il y a du monde ici aussi. Allez, ménage. Fort en danger, ouais, mais ce fort là je m'en fiche. Voilà, donc lui par contre il est pas encore mort. On va essayer de l'achever. Tac, ah non, il est pas encore achevé. Voilà, t'as perdu ta garde et je te fais un coup de grâce et tu meurs. Merci. Toi aussi par contre. Faut pas que tu ailles trop loin. On récupère ça. Descends de là s'il te plaît. Voilà, c'est bien. Tu es mort, j'ai dit. Descends. Voilà, c'est bon, il est descendu. A fait fuir le capitaine, d'accord. S'il veut. Tac, des portes s'ouvrent et on va dégommer ce qu'il y a devant. Bon, il faut peut-être que je retourne là où il y a le boss. Je vais retourner là où il y a le boss. De toute façon, c'est notre objectif. Hein. Alors, par ici, nous avons... Ok, chute de palais de l'ouest, mais ça s'en fiche, hein. Honnêtement. Allez, on avance. Oh, il a eu mal. Oh, t'as perdu ta garde. Et voilà, tu meurs. 1150 KO. Tac, 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 tac. Ouais, sur un cube. Du coup, Midona, elle est partie par ici ou quoi? On va peut-être le prendre ce fort, comme ça on sera plus emmerdé par tout le monde qui est ici. Allez, go! Ok. Donc le cercle magique, normalement, il devrait être activé. Enfin, il devrait être là. Hein. J'aurais peut-être dû l'activer. En difficulté, elle est où? Ah, mais elle est super loin aussi, qu'est-ce qu'elle fout là-bas? C'est pas possible, ça. Bon allez, normalement le cercle magique doit y être, on va l'activer. C'est juste qu'il n'était pas là tout à l'heure. Si tu veux. Bon, il est où ton cercle magique là? Je l'ai pris ton palais là. Faut peut-être que Midona soit là. Voilà, Midona est là. Ah ouais, faut que Midona soit là. C'est pas drôle ça. Allez go! On connaît le scénario. On va lancer des chaînes, sauf que ce dragon va se défaire de ses chaînes. Il faudra recommencer une deuxième fois, et la troisième fois, ce sera la bonne. Donc du coup, Macaon, elle est en danger, là. Oh, il y a du monde, là, encore. Oh, tu baisses ta garde, c'est pas bien. Voilà, elle est mort. Beaucoup de monstres par ici. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'elle allait faire là-haut, Macaon, quand même, hein. Je pas dire, mais c'est un peu dangereux ce qu'elle fait. Allez, dégage-toi. On recule. Tac, tu baisses ta garde. Oh, t'es pas mort. Par contre, tu vas mourir. Voilà. Super. Chef de poste, on va le prendre. Kidnapper avance vers Macaon, d'accord. Donc, on va éviter la catastrophe. On va aller sauver Macaon rapidement. Regardez-moi cette armée. Allez, ça dégage tout ça. Niveau supérieur. Kidnapper. Pour éviter... Ouais, ok. Ça, j'ai compris. Ça, ça dégage. Il est mort. Je récupère son matos. Et j'y cours, j'y vole. On y va. Cette fois-ci, on perd pas de temps. Cœur-cœur. Si j'en ai pas forcément besoin. Oui, si tu veux, mais moi, je m'en vais. Je ne fais pas attention à toi. Oh, il y a tellement d'ennemis, quoi. Ok, c'est par là-bas que ça se passe. J'arrive, Macaon, j'arrive. Ok, ça devrait se trouver par là. Kidnapper s'approche de Macaon. Oui, je t'ai vu, Kidnapper. Clac. Hop là, on prend tout ça d'un coup. Là, ça va faire du bien. Clac. Ah, le Kidnapper est mort. Oh, on a tué beaucoup de monde en même temps. Boss du fort, au passage, c'est parti aussi.
Un autre kidnappeur a rejoint le champ de bataille. Ouais, mais ils vont pas rester longtemps, les kidnappeurs. Alors, on récupère les matos. Voilà. Matos encore. Super. Du coup, on va se diriger par ici. Voilà, chef de poste, on va se le faire. Voilà. Elle est pas mort, ok. Clac. Ah, c'est bon, allez, elle est mort. Kidnappeur, je t'ai vu. Il n'ira pas plus loin qu'ici. Voilà. Toi aussi, tu vas mourir. Au passage. Recule. Voilà. Descends. Allez. Clac. Une petite porte électrique, ça fait du bien. Toi aussi, tu vas mourir. Ok, il va faire rappel à son dragon. Il va rappeler son dragon. Il est où, lui? Il est là. Clac, les portes. Allez, tu vas mourir ou bien? Descends de là. Ah là, là, il est mort, lui. Moi, c'est fait. Et toi, pareil, tu baisses ta garde, alors tu vas mourir. Voilà. On récupère du matos qui va traîner. Fantastique. A fait tomber le palais. Ok. Ah, il y en a un autre, là. Arrête de cracher. Voilà, t'as baissé ta garde, tu es mort. Merci, au revoir. Ça, c'est good. Mets-moi ton matos, voilà, maintenant on se casse de là. Parce qu'il y a trop de bestioles. Par là-bas, il faut aller. On va se les faire comme ça. Bon, j'en ai pas chopé beaucoup, mais j'ai chopé celui que je voulais. Boum. Oh oui. Il a subi du dégât, il est mort maintenant. Allez, on va dégommer ceux-là aussi. Apparition du boss, du fort. Allez, tu vas mourir. Allez, on s'approche. Voilà, il est mort. On a pris le contrôle du nord du palais. On récupère ça, on récupère ça. Oh, pas mal. Là-bas, il y a matos et magie. Et du coup, on se redirige par ici. Le chef de poste. Tu meurs. Voilà, super, on n'en parle plus. Oh, il y en a plus bien, j'ai ici. Le super grappin. Tiens, regarde ça dans ta tête. T'as pris ici, hein. Tiens. T'es où? Allez, reviens. Je reviens par vers toi. Oh, ça n'a pas suffi pour le tuer. Ah, ça fait mal quand même, hein, ma petite porte que je viens d'installer. Allez, on va le prendre comme ça. Et après, il va falloir que je me dépêche. Pas trop que je traîne non plus. Ok, il est KO. Toi, je t'aime pas du tout. On la scène de coup. Vas-y, fais ton truc, là. Voilà, tu baisses ta garde et je te tue. Allez. Je vais pas mourir, hein. Voilà, c'est bon. Bildo d'argent. Je récupère ça. Je récupère ça. Je récupère ça. Et on est parti, on y va, on va aller voir le boss parce que là, ça va être urgent. Juste ce chef de poste là, je vais le faire. Voilà. On récupère son matos. On continue par ici. Ah ouais, mais il y a du monde encore. Tac, on prend les portes. Oh, pour le cul, ça c'est comme ça. Clac. Voilà, c'est bon, il est mort. Bonne chose. On prend ton matos, voilà, merci. Par là-bas, on a du matos. On va le prendre aussi. Prenez-moi tout ce monde. Ok, ici, il y a encore du monde, là. Ouest du palais, je sais plus si je l'avais pris ici. Il me semble que je l'avais pris, lui. C'est pas grave, on va le reprendre. Les portes, voilà. Ça dégage. Allez, le boss. Ah, super. On va le prendre comme ça, le boss. En plus, c'est le seul qui est dans mon truc. Tu meurs d'un coup ou pas? Ouais, super. On prend le matos. Et on va aller voir ce fameux boss là-bas. Ok, bon ça va, je me débrouille un peu mieux qu'avec Midona. Le problème que j'avais avec Midona, c'est qu'elle était lente. Je la trouvais super lente personnellement. Donc bon, c'était un souci ça.
Donc là on passe en mode vénère. Et on balance la sauce. Je sais pas qui y a devant, mais ils vont prendre cher. Voilà. Apparition du boss. Voilà, le boss est mort. J'espère que Midona est dans le coin. Ah c'est bon, elle est là Midona, donc elle va activer le cercle magique. Et on va pouvoir l'activer. Voilà, ça c'est bon ça. Oh yeah. Sauf que, évidemment, il l'a esquivé. Oh là 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 là. Ok, maintenant que ça c'est fait, je vais aller reprendre le poste qu'il y a là-bas. Ici, comme ça, ce sera fait aussi. Alors là-bas, déjà, toi. Voilà, tu exploses. On prend ça, on prend ça, et on fait ça. On reprend le grappin avec soi. Allez, boum, comme ça on fait apparaître le boss direct. Voilà. Ça c'est bon, il est mort. On peut partir de là. On récupère le matos. J'ai récupéré quand même beaucoup de choses ici. Donc ça va, je suis content. Tac. Là on peut y aller avec le grappin. Et on revient vers le centre. Sauf que évidemment on peut pas. On peut pas. Ouais. Donc vu qu'on peut pas, c'est vrai que c'est par là-bas qu'il faut aller du coup. J'ai oublié. Comment faire? Mais je sais comment on fait. Il va nous guider quelque part. Tiens, ici il y a un rocher, on va le péter en attendant que ça blablate. Voilà, c'est ici qu'on va aller. Dans le rocher apparemment, il n'y a rien. Allez, ouvre la porte. Grâce au cercle magique de la fontaine de la déesse, on pourra vaincre le dragon. Bien sûr, mais il faut peut-être me l'ouvrir la porte avant. Allez, voilà. Un peu long quand même. Voilà. Et la déesse est là. Allez, tu vas détruire ce dragon. Ou du moins l'affaiblir. Parce que comme on a pu le voir avec Midona, on le tue pas vraiment. Ouh. Troisième fois qu'on voit la même animation, mais tout va bien. Et là du coup... T'inquiète, on te visait pas mon gars. On visait la lune. Oh la vache. Bam. Ça fait mal. Ça fait très mal. Eh, maintenant que c'est fait, on s'en va. On le poulet, on n'y touche pas. On a déjà fait l'erreur avec... Comment elle s'appelle? Impa. Oh, il y a du matos là. Magnifique. Alors du coup, toi... Grappin. Voilà, super. Donc, dès que sa queue est bleue, on utilise le grappin. En espérant qu'avec Lana, on puisse... nous faire beaucoup plus mal plus rapidement. Allez. Tac, on continue d'enchaîner. Ah ouais, presque le coup de grâce d'un coup là. Vraiment beaucoup plus efficace que Midona. Hein. Vraiment. Macaron, je t'ai vu. Voilà, direct, je t'ai vu arriver. Boum, tu descends. Et on va te mettre direct un petit coup de grâce dans ta tête. Clac. Genre les coups de bouquin ça fait mal. Purée, je lui fais vachement mal en plus. Oh. Ok. Il va redescendre. Allez. Fais ton petit attaque. Voilà. Petit coup de grappin. Super. Ah je me débrouille mieux qu'avec Midona, c'est incroyable. Alors là, il n'y a pas à chier. Voilà. Tac, tac. Boum. Oh ça fait mal. Oh, vaincu direct. Ça c'est bon ça. Donc du coup, il est mort. On récupère son matos. On va se diriger par là-bas parce que par là-bas on peut rentrer. Mais il y a Xanto qui va venir. Hein. Évidemment, il va venir. Bonjour messieurs. Je vais vous dégommer avant. Ah, je me débrouille quand même mieux qu'avec Midona. Je me répète, hein, mais vraiment. Tac. Oh, paralysé. Fort en danger. Ouais, je sais ça. Meurs. Meurs, voilà, il est mort.
Xanto, on le voyait là-bas. Voilà, Xanto, je t'ai vu. Oui, si tu veux. Donc la scène ne se fait pas au même endroit, parce que la dernière fois, il était dehors quand il avait fait ça. Et que c'est Xanto qui va mettre en danger notre... comment ? Notre base. Mais tant que je suis là, bah il va essayer de m'attaquer. Allez, tu vas mourir toi aussi. Ce serait bien. Allez. Descends. Je vais donner des coups. Voilà, tu es mort. Ah non, Xanto s'en va carrément. Ok. Bon, du coup, ce qu'on va essayer de faire là, c'est prendre le contrôle de cette salle. Parce que c'est la fameuse salle où il y a le coffre et puis le portail. C'est la base ennemie, hein. Allez, on va prendre ça. On va prendre ça. Tac, 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 tac. Là-bas, il y a un laser. Urgence. Non, il n'y a pas urgence. Voilà, on reprend le grappin. Boum. Les portails claquent. Ah, on a du mal à la prendre, hein, la base ennemie. Elle est quand même résistante. Risque du chute du palais de la place de l'ouest. Bon, ça c'est pas bien grave, la place de l'ouest à la limite. Hein. Allez! On va faire ça comme ça. Ouh, j'en ai récupéré plein d'un coup. Éliminer Xanto. Ouais, ouais, j'arrive. J'aimerais juste récupérer ça assez rapidement. Ouais, elle est résistante la base des ennemis. Elle est vachement résistante. Est-ce qu'on va réussir à la choper? Je me le demande. Allez, ça dégage tout ça s'il vous plaît. Là-bas il y a le super grappin, on va le prendre. Tac, tac, tac. Le méga cube. Ouais. Boum, 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 boum. Les portes. On a bientôt éliminé la base ennemie. Ça fait plaisir. Xanto est toujours pas arrivé à la base. On peut le voir, c'est le point qui est sur la map. Hein. Pour l'instant, on est plutôt bien. Allez, dégage. Là, il y a du monde en masse. Est-ce que ça va suffire pour faire appel au boss? Yes! Fort perdu, mais c'est pas grave, regarde, moi je prends la base ennemie, je suis comme ça moi. J'ai pris le contrôle de la base ennemie. Ça c'est classe. Du coup, bah écoutez, on va essayer de se faire un petit kiff et de récupérer tous les chefs de poste. Avant que Xanto arrive. Y'a moyen. Au moins je l'aurais fait ce truc là, je l'aurais rushé. Toi tu vas mourir, merci. Je vais récupérer le matos avant quand même. Dégagé. Ce Xanto, il a l'air de traîner la patte. Hein. Chute du Nord, palais imminent. Oh mince, j'ai pas envie de revenir là-bas. Allez, ça va être assez facile pour le prendre. Voilà, ouf, ça fait vraiment mal ça. Hein. Tac, 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 tac. Apparition du boss. Voilà, nickel. Donc le boss est vaincu. Le matos, le matos. Donc c'est pas par là-bas qu'il faut aller, quoique par là-bas ils sont en difficulté ou pas. Ouais, il y a un méchant là. Voilà, on le tue. Xanto ne bouge pas. Pour l'instant tout va bien. On a le temps de le faire, hein. On a largement le temps. La magie, je vais peut-être la prendre. Contre Xanto, ça peut être serviable. Par là-bas, on a un poste qu'on va récupérer. Donc vous voyez, je me débrouille mal avec Midona, mais carrément mieux avec Lana, ça ne fait aucun doute. Donc risque de chute, c'est ici. Non, pas forcément. C'est pas ici le risque de chute. En tout cas, il y a du monde. On fait le ménage. Voilà. À côté, il y a un poste. Ouais, mais il y a beaucoup de monde là. Ils sont en difficulté, les bonhommes. Allez, voilà. Il y a carrément du monde là. On peut voir qu'il y a une grosse trace rouge. Ok. Calmez-vous les mecs. Ah mais on retourne ici en fin de compte. Bon, on va aller là-bas en espérant que le palais ne soit pas déjà repris. On a un chef de poste ici.
Voilà. Tac tac, il est mort. Matos. On va se gaver en matos par contre, hein. Ça, ça va être bien. Ok, toi tu vas mourir. Ok, chouette. Donc ici, il n'y a plus de risque que ce soit pris du coup. Voilà, il y a juste le laser là-bas qui peut faire mal. Donc du coup, le laser. Voilà, tu vas exploser. Donc normalement, il devrait pouvoir s'en sortir là-bas. Donc on va se barrer par ici. Droite toute. Matos en plus. Yeah. On a un dernier poste à prendre. Qui est juste à gauche. Et ensuite, on va aller se faire Xanto. Voilà. Donc du coup, ça y est, on a récupéré vraiment tous les endroits de la map. Ils sont encore nombreux là dans le coin. T'as regardé, hop. J'aurais peut-être dû le garder contre Xanto, ça, mais c'est pas grave. Parce que ça va revenir de toute façon. Ouais. C'est un plaisir. Allez, Xanto, j'arrive maintenant. Ne bouge pas. Je vais te faire ta fête. Je prends pas le chemin le plus rapide d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Je vais reprendre le grappin. Voilà. Oh, ça je veux. Super, je suis à fond. Et voilà, je suis à fond. Donc du coup, Xanto, t'as qu'à bien te tenir. Le grappin. Et Xanto, il est là-bas. Xanto, il s'amuse. Par contre, Xanto, il a commencé à se prendre des claques. Hein. Allez, on va activer ça. Et en plein dans ta face. Boum. Voilà, hyper. Waouh. Mais je lui fais mal. Amène-toi, Xanto. Il va pas durer très longtemps, hein, ce combat. Par rapport à ce qu'on avait fait tout à l'heure. Je vais récupérer ça, ça peut toujours aider. Ouais, si tu veux. Ta 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 ta. On enchaîne. Tiens, 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 tiens. Voilà. Tu veux enchaîner. Calme, nous ne sommes pas tes amis ici, hein. Le petit grappin qui va bien. Bam. Allez, tu vas mourir, c'est bon. Et regardez ça, la map elle est parfaite. Je suis content, vraiment là je suis content, parce que pour le coup j'avais vraiment galéré avec Midona, et puis là les doigts dans le nez avec Lana. Donc Midona, résultat des courses, elle est pas très douée, elle est pas très forte. Enfin, ses attaques sont dévastatrices comme on l'avait dit, mais elle est lente, parce qu'à chaque fois qu'on fait un coup de grâce. Ouais, donne-moi ton matos, voilà. A chaque fois qu'on fait un coup de grâce, si vous voulez, y a son loup qui fait comme ça, et on perd du temps. On perd un temps colossal. Tandis que là, avec Lana, on enchaîne direct. Et on a le droit à la super petite cinématique. Que fais-tu, Lana? Sia. C'est elle, c'est à cause d'elle que... C'est à cause du sort qu'elle m'a jeté que je me suis retrouvé dans cet état. Je trouve que cette apparence te sied parfaitement, Midona, princesse du crépuscule. Alors vous voyez, voilà, elle a une forte poitrine, cette Sia. Là on découvre qu'au niveau du visage, c'est le même visage que Lana. Sauf que Lana, elle a une poitrine correcte. Misérable. Donc quand j'entends dire que c'est la même personne, j'ai du mal à y croire. Lana, son visage, vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Je suis l'autre moitié de Sia. À l'origine, nous ne faisions qu'une. Voilà, elle ne faisait qu'une. Hein? Bon, après, ça ne veut pas forcément tout dire. Et voilà, terminé. Donc, on a mis moins de temps. Donc, là, 27 minutes contre une demi-heure la dernière fois. Oh, j'ai plus de 106 rubis. 106 000 rubis, pardon. Oh, 195. Waouh. Ah, il va faire mal, lui. Épée gravée. Grimoire de l'esprit, encore une fois. Anneau maudit. Oh. Celui-là, il est badass. Cool. Alors, on récupère tous les objets qu'on a déjà vus. On passe, on passe. Là, on va faire des fusions. Là, c'est clair et net qu'on va faire des fusions pour avoir de bons objets. Donc voilà, ce scénario est terminé, maintenant on a récupéré le réceptacle et le fragment, ici aussi. Prochain épisode, on ira là. Mais avant, on va faire un petit tour ici. Donc Badgery,
il y a rien à faire. Tac, 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 rien à faire. Tac, 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 et rien à faire. Tac, 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 et rien à faire. Tac, tac. Oh oui, 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 oui. Avant, le petit badge de soutien qui va bien. Voilà. Super. Et du coup, ensuite, badge de défense. Amour de Nairu. Ok. La tunique Goron. La tunique Zora. Super. L'armure magique. Ensuite, le bouclier sacré. Et le bouclier miroir, ce sera pas pour tout de suite. Voilà. Alors, ensuite, ferrailleur. Anneau maudit. Donc, celui-là, c'est le plus fort. Il a une étoile, je peux pas le fusionner, donc ça va rester tel quel. Avec Lana, là par contre avec Lana il y a des choses à faire. Parce qu'on a récupéré ce gris noir. Ouh, et il est puissant, il est vraiment puissant. 195, l'autre il était à combien? Ah, c'est plus puissant que j'avais, hein. L'autre il était là. 150, 195 quoi. Attaque forte, 3. Matériel rare, on va ajouter attaque plus ou alors élément foudre. Je vais peut-être ajouter l'élément foudre. Allez, voilà. Arme, matériaux, élément foudre ou attaque spéciale. Ah. On va mettre l'attaque spéciale, allez c'est parti. Voilà, fusionné. Ouh. Puissant. Donc du coup quand on regarde au niveau du grimoire, celui-là c'est clairement le plus puissant grimoire qu'on ait. Alors grand arbre, ici pareil, on a récupéré ça qui est bien. Alors cette arme n'a aucun emplacement disponible. Il y a marqué 0 sur 1 mais vous voyez il est marqué x 1000. Je crois que c'est qu'on peut tuer enfin je sais pas encore exactement qu'est-ce que c'est. Je verrai plus tard mais bien puissante celle-là. Et c'est la plus puissante qu'on ait. Ok donc ça c'est fait. Maintenant avec Shake les lyres. Alors, on a récupéré pas mal de bonnes lyres hein. Mais pour le coup c'est celle-là la plus puissante et on peut rien faire d'autre. Avec Impa, l'épée géante. Pareil je crois que c'est celle-là. Cœur plus 96, ouais, c'est la plus puissante. On peut rien faire d'autre. Et avec Link, épée à la main. Oh, il y en a beaucoup, là. Ça va être celle-là, la plus puissante, hein. Ouais, c'est celle-là, la plus puissante. Ok. Et la baguette. Tac, tac. Alors, 88. Ouais, c'est celle-là, la plus puissante. On l'avait déjà faite, en plus. Ok, et bah, c'est tout, mes amis. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Au prochain épisode, on va se lancer dans le monde du péril, où on va rencontrer quelques gaillards qu'on aime bien, qui sont un peu gros et qui roulent sur leur boss. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et à très bientôt. Bye !